Faire gaffe, y'a peut-être les flics dans le coin. Ouais, c'est très chelou cette histoire avec Harry. On va mettre Dawson, justement, ça va nous permettre de tester un peu Dawson. On va le mettre sur cette histoire et on va voir s'il nous sort des trucs intéressants. D'accord avec toi. Et on va peut-être pouvoir en sortir un petit peu plus, je sais pas. Ah, c'est peut-être pas le moment de faire le con, hein. Regardez mon téléphone, grave erreur. Bah ma voiture. Y'a quelqu'un dans ce putain d'hôpital. Je commence à en avoir marre de venir ici, hein. Oh, ça me dérange pas. T'entends, moi, t'entends tant que Fernandez est là. Jameson, je commence à m'inquiéter d'une certaine chose. Dis-moi tout. Il y a Dawson qui m'a dit qu'il avait pris contact avec moi pour parler, entre guillemets, boulot. Le problème, c'est que c'est toi qui étais sur le coup. Donc, va falloir que tu discutes avec Dawson, je pense. Pourtant, on avait bien dit à Dawson que c'est moi qui m'en occupais, hein. Ouais, mais tu le connais. Il est un petit peu limité aussi, hein. C'est celui qui a le plus de problèmes à l'accouchement. J'ai envoyé un message à Parkinson, aucune nouvelle. Attends, j'essaye d'appeler Parkinson. Il a raccroché, ce fils de pute. Bon, on n'en sait pas plus. Je pense qu'il est en pleine intervention. On va devoir attendre. Oh là. Dawson m'a envoyé un signal GPS. J'espère que t'es bon. Dans la merde. Je sais pas, il m'a dit si ça tourne mal, je suis là. Ouais, bon, on sait pas où est-ce qu'il est. Tant pis pour lui. Ok, j'ai sa position. Est-ce que tu veux qu'on y aille en attendant? Bah, allez, jeter un œil. Ah, Parkinson m'a répondu. Ok. Tu peux la conduire, vas-y, hein. Excuse-moi. Bon, vas-y, attache quand même ta ceinture. Non, mais je t'en prie, vas-y. Ouais, je me permets, hein, je connais bien ce modèle de véhicule, j'en ai eu un. Vas-y. Changement de plan, direction le Innocent et après on retrouve Parkinson. C'est parti. T'es au courant qu'apparemment il y aurait peut-être du boulot à l'Innocent Club? J'ai posé quelques questions. Ah ouais, en tant que quoi? Bah je sais pas, mais justement on va poser quelques questions. Je crois que l'Innocent Club ça devient un peu l'endroit de l'illégal. Dawson? Ouais. Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as les genoux en sang? Ouais, j'ai eu quelques problèmes, je vais devoir retourner à l'hôpital. Rien de grave, j'ai dû... J'ai dû m'embrouiller avec Parkinson et lui décocher 2-3 droites, si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais savoir aussi ce qui se passe dans cet Innocent Club. Apparemment, il recherche du boulot. Sûrement dans l'illégalité, d'ailleurs. Ah, je sais pas ça. Par contre, j'ai parlé un peu avec Mo. Ouais. Donc, le mec bosse en solo. J'ai commencé à parler avec lui pour savoir un peu ce qu'il faisait, s'il faisait des trucs légaux ou illégaux. Il m'a dit qu'il cherchait à faire des choses peut-être un peu illégales, mais qu'il avait besoin d'une équipe. Ok, tu veux faire partie de son équipe ? Non, moi je lui ai dit... Comme il est solo, ça pouvait potentiellement nous intéresser, mais seulement s'il avait des choses intéressantes à nous dire, tu vois. Ce qu'il m'a proposé, c'est qu'il m'a dit qu'il nous donnerait un point de drogue, si on était prêt à l'accepter pour travailler en équipe. Ça me paraît intéressant, ça, hein. À condition de pas se faire choper, ouais. Et surtout que personne ne soit au courant, autre que nous. C'est ce que je lui ai dit. Que quand on se croisait, on se connaissait pas. Ok, donc en échange d'un poids de drogue, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on doit bosser avec lui. C'est plutôt lui qui bosse avec nous. Très bien. Ça me paraît correct. Bon, très bien. T'as autre chose à nous dire, Dawson? Non, simplement ça, il m'a aussi parlé de potentiellement... Bon, ça, il voulait pas m'en parler plus, mais je pense que je pourrais peut-être lui faire cracher le morceau plus tard. Je pense qu'il a peut-être un point de vente d'armes illégal. Ah, encore plus intéressant. On va devoir se protéger, il y a des gens qui vont vouloir du mal à notre famille, vous le savez les gars. Donc c'est ça, on va... le problème, c'est que si on commence à accueillir des gens qui sont pas dans la famille, il faudra leur faire confiance. Mais je pense que ce mec-là, on peut l'utiliser, tu vois. Dès qu'on voit qu'il y a un problème, on s'en débarrasse. Très bien, je vais essayer de m'arranger pour bosser. L'avantage, à l'Innocent. C'est qu'il travaille tout seul, il travaille tout seul. Personne va le chercher. Est-ce que quelqu'un pourra savoir ce qui se passe dans ce putain de nightclub? Apparemment, ils embauchent, il y a du boulot là-dedans. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que c'est un lieu rendez-vous dans l'illégal. Apparemment, il y a pas mal de trucs intéressants à l'Innocent Club. Va falloir qu'on se renseigne à ce sujet-là. Bah, faut que j'aille à l'hôpital, j'ai quelques plaies également.
Ouais, bon, tu nous emmènes, Jameson, tu m'emmènes? C'est parti, on va tous à l'hosto. Ouais, excuse-moi, j'ai vraiment les sales habitudes. Vas-y, je t'en prie, conduis, hein. Non, vas-y. C'est quand même ta voiture. Jameson, ouais, va falloir que tu m'aiguilles, parce que là, je t'avoue qu'avec toutes les informations en tête, je commence à un peu en perdre la tête. Dis-moi. Là, va pas falloir mélanger les affaires, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on a attention, Jameson, voyons, fais gaffe quand même. Bah, Beyblade, tu m'as demandé. Non, ah non, c'était pas ça. Non, je t'ai rien demandé, Jameson, à ce niveau-là. Bah, juste falloir que tu m'aides un petit peu. Entre mots, Lévis, Abricot aussi, qui a des infos, paraît-il, pour demain. Ouais, je peux m'occuper de Mo, j'ai déjà un contact et je devais déjà bosser avec lui, donc ce sera dans la continuité logique. Bien sûr, va falloir que tu traînes avec Dawson pour ça, hein. Fais gaffe. J'aurai un œil sur lui au moins. Voilà, mais fais gaffe de pas te faire embarquer dans ses conneries et surtout qu'il te retourne pas le cerveau. Non, t'inquiète. Eh bien, bonjour. Bonjour. Ouais. Rebonsoir. J'ai un petit bobo. J'ai un petit bobo aussi. Ah. Oh, Parkinson. Ouais, on a des petits bobos. Félicitations, Parkinson, pour l'uniforme. Bien joué, Parkinson. Regarde sa petite barbe, il a laissé pousser. Ça y est, c'est officiel, bah ça devient un homme. Ça devient un homme. Plaisir, hein, de voir un membre de la famille enfin évoluer. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un bandage? Le bandage affirmatif, le merveilleux, je te laisse t'occuper. Des messieurs et je vais chercher les bandages. Ouais, occupe-toi de Dawson, moi je veux que ce soit la demoiselle qui s'occupe de moi, ça me dérange pas. Tu m'excuses pas, Parkinson, mais j'ai quelques soucis et je peux pas me faire toucher par la jante masculine. Non, mais les gars, allez, faites pas les cons. On est cousins, non, mais les gars. Allez, on est quand même cousins. Allez, occupe-toi de Jameson en premier. J'en ai, t'inquiète. Jameson, faut pas montrer du doigt comme ça. C'est au niveau 2 que vous avez un petit bobo. La poitrine. D'accord, bah je vais m'en occuper. Merci. Je vois, frérot. Quel gamin! Mais qu'il est lourd! Voilà! Merci beaucoup! Excusez-moi, est-ce qu'on peut s'occuper de moi aussi, s'il vous plaît? Ça va. Ouais, nickel alors. Genou. Ça va. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Oh non, ça va. C'était une petite histoire. Son costume. Voilà. Merci. Et du coup, c'est officiel? Toujours aussi délicate. Ou t'es en période de test? Période de test pour l'instant, on va dire, stagiaire toujours. Bah, écoute, d'accord. C'est ce qu'on dit, hein. Évite de ramasser des paquets de clopes qui traînent. Hein. Ah bah ça fait plaisir en entendre, parce que vu que c'est notre cousin et qu'on le supporte depuis des années et qu'il vit à notre crochet, et bah ça fait plaisir d'entendre qu'il s'en sort bien. Il apprend vite. T'as enfin trouvé ta vocation, Parkinson. Allez, on va. Le métier d'abord. J'ai l'impression que Parkinson, on va le perdre, messieurs. Direction le commissariat. Je crois qu'il est amoureux, hein. Ouais, je crois qu'il est amoureux, on va le perdre, le Parkinson. Direction commissariat, messieurs, on va taquiner les flics un peu. Allez, go. Ah, tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Faut m'ouvrir maintenant, hein. Attends, mon bip bip. Jameson, Parkinson, t'avais des choses à nous dire, il me semble. Tu comptais nous les dire quand? Ah oui, c'est vrai. T'es en intervention là, t'es au boulot? Ouais, je fais une petite tournée et je suis à voix près. Vas-y. Fonce, elle s'éloigne, allez. Tu nous raconteras tout, par contre. Vas-y, fonce. Allez, essaye de nous garer. Oh là là, mais il y a un problème avec les poubelles, celui-ci. Oh bah c'est Dawson, ça, hein. Ouais, c'est Dawson. Ouais, mais bon. Ok, il y a la police. Il y a l'arrache. Il y a beaucoup de flics. Venez, on va taquiner les policiers. Sauve-toi, Jameson. Tiens-toi à carreau si tu es journaliste. Bonjour, tu me Dawson, connais. Dawson. Ouais. On essaye de les taquiner un petit peu. Ok. Et bien, bonjour. Oh là là, il y a du monde. Juste pour vous annoncer quelques trucs, on peut en discuter au bureau, par exemple. Sûr, ah, monsieur le maire. Venez avec moi. Attention. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider, peut-être? C'est... Voyez avec mon frère Dawson, ici. Voyez avec le monsieur, là. Avec lui, là-bas. Ok. Ok, donc en fait, le délire, c'est que vous êtes quoi? Un trio de comiques, vous faites des shows tous les soirs, c'est ça? On est plus qu'un duo, hein, a priori. Ouais. Non, c'est bon, on redevient un trio, je reforme le groupe, messieurs. J'aimerais des informations au sujet de l'Innocent Club. Est-ce qu'il y a du... Il y a du boulot là-haut, il y a quelque chose? Du quoi? L'Innocent Club. Du quoi? Pardon? L'Innocent Club. Ah, ça me dit rien. Ah, ça vous dit vraiment rien? La boîte de nuit, dans le nord de la ville. Ah, alors là, je suis jamais allé, je saurais pas vous dire. C'est pas trop votre truc, l'amusement, les boîtes de nuit, tout ça? Si, mais je suis pas... En fait, je suis arrivé très récemment, mais j'ai pas trop pris le temps d'aller dans le nord encore. Ah, d'accord. D'accord, on comprend bien. Je suis très occupé par mon travail. Oh, on voit ça, vous avez l'air d'ailleurs un petit peu... On a pas mal de paperasse. Un petit peu sous tension en ce moment. Comment ça? Ah, vous avez l'air un petit peu énervé. Ah, vous avez entendu cette explosion là? Ça, c'est pas moi, ça. Madame, faut relâcher. J'ai mangé mexicain, c'est rien. Excusez-moi. Faut relâcher la pression, je pense. Mais hein, dans ce pourquoi vous dites que je suis tendu? Je suis pas tendu. Vous avez l'air un petit peu énervé quand même. Mais c'est pas grave. On veut pas vous vexer. On veut vexer personne ici. Négatif. Comment s'appelle votre collègue blond, Ken? Enfin, comment il s'appelle? 14. 14, pardon? Oui, il s'appelle 14. Il y a.
Juste en dessous de 15? Ouais, juste en dessous de 15. Mais juste au-dessus de 13? Ok. D'accord, ok. Oui, tout ça... c'est bien ce qui me semblait. Ok, c'est... Et pas journaliste pour rien. Votre prénom? À moi? Ou votre nom, mademoiselle, enfin comment, ou madame, je ne sais pas exactement, mais... 28? D'accord. C'est très bizarre ce commissariat. Et... Je vois que mademoiselle est comique également. Effectivement. Et vous êtes combien comme ça à apporter un numéro de série? C'est écrit sur ma voiture. Au pire, si vous êtes détective, ça se voit dessus. Qui vous a dit qu'on était détective? Non, mais c'est que lui, il a dit je suis détective. Ah, il a dit absolument journaliste. Pas. Il a dit journaliste. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire là. Non, mais c'est que je suis très fatigué et que j'ai entendu détective au lieu de journaliste. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Bon, bah, ça arrive, hein. Écoutez, madame Huître, on va se revoir bientôt en tout cas. Non, plaisir de vous avoir connu. Pardon? Bonne soirée. Au revoir. C'est 28, madame, pas 8. Non, les lunettes, ça fait très intellectuel. Bonsoir, messieurs. C'est mieux de pas les avoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, capitaine Boyce. Monsieur Dame, je peux vous aider? Bonjour. Ouais, je pointe pas une arme sur moi aujourd'hui, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, quelqu'un a pointé une arme avec une cagoule sur nous dans ce commissariat. Enfin, plus précisément sur mon beau-frère, monsieur le maire. Votre sans aucune ami, raison. Votre cher ami s'est déplacé au niveau du parking de la SPD. Je lui ai fait plusieurs sommations lui demandant de quitter les lieux parce que c'est une propriété privée. Monsieur n'a pas voulu obtempérer. Mon agent lui a pointé l'arme dessus. Sonne, t'as entendu quelque chose, toi, de la part du maire? Moi, j'ai rien entendu. Moi, on était juste... C'est bien ce qui me semblait, hein. Non, on voulait juste vous dire que votre discours avait été magnifique et vous avez juste rien dit et votre arme de main vous a pointé une arme sur la tête, hein. Monsieur voilà. Le maire, et on m'a quand même pointé une arme. Voilà, je suis un petit peu choqué quand même. Dites-moi, moi, journaliste. Est-ce qu'à la volée, je peux prendre un rendez-vous pour demain soir, accompagné de mon beau-frère ici présent, au sujet d'une affaire dans ma cagoule? Je ne suis pas disponible. Demain soir, vous n'êtes pas disponible? Non, je ne suis pas disponible pendant les 4 prochains jours, monsieur. D'accord, très bien, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, on espère que le 5e jour, voyage, vous serez disponible. Bien sûr, au pire, on communique par mail, monsieur. D'accord, je veux bien... Je vous donnerai. Très bien, très bien, très bien. Vous me communiquerez votre adresse mail? Bien sûr. James B. Smith, monsieur. Pardon? James B. Smith. Mon capitaine, je peux vous parler en privé? 30 petites secondes? Ouais, laissez-moi le temps de finir ma cigarette et je suis à vous. Très bien, avec merci, plaisir, monsieur le maire. Très belle coupe, capitaine, en tout cas. Merci beaucoup. C'était tout, messieurs. C'était tout. C'était tout pour moi. Je vous remercie pour cette bonne journée, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le maire. Capitaine, est-ce qu'un entretien serait possible aussi à l'avenir, peut-être demain, après-demain, dans les jours qui viennent? Oui, bien sûr, à quel sujet? À moins que ce soit confidentiel et que vous Non, j'ai rien à cacher à ma famille, évidemment, au sujet justement de cet établissement. Pourquoi pas une prise de fonction, un entretien, une formation, quelque chose qui me permettrait justement de travailler à vos côtés suite à ce que je vous ai révélé hier. Il me faudra un CV lettre de motivation par mail. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je vais essayer de vous fournir ça pour demain soir. Impeccable. Jameson? Monsieur, du coup, si vous voulez bien me suivre. Oui, ouais, c'est très rapide, hein. C'était juste pour le directeur du journal. J'y suis allé plusieurs fois, malheureusement, il n'était pas là et je voulais savoir si vous aviez des petites infos, vu que vous êtes en contact avec lui. Ouais, il devrait être là demain, normalement. D'accord. Ok, parce que j'aimerais bien faire mon vrai travail, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Je vais me permettre de vous demander un petit peu de votre temps aussi. Je cherche à pourquoi pas ouvrir une entreprise de chauffeur privé, mais on m'a pas expliqué comment on doit faire. Ah, il me semble, je vais vous donner une petite information comme ça. Le maire n'a pas encore communiqué dessus, mais il y aura très prochainement des entreprises à pourvoir. Très bien, merci beaucoup. Des services de taxi, notamment. Au sujet, justement, du profil des fils d'actualité Twitter, il me semble que Jameson, ici présent, a été censuré, c'est normal? Exactement. Ah, c'est-à-dire? Il a voulu... J'ai mis un message de situation. Exactement. Et malheureusement, il n'est pas passé dans le fil d'actualité. La censure frappe à la porte du commissariat et de cette ville, mon capitaine. Ah, c'est possible, vous avez marqué quoi comme connerie pour qu'on vous supprime le message? Aucune connerie, monsieur, on tient juste à informer de la situation. La situation que le maire était entouré d'un garde armé, t'as semé la zizanie dans le commissariat. En cagoule, n'est-ce pas? Et voilà. Exactement. On a reçu plusieurs appels en disant qu'il y avait un arme armée au commissariat. On est venu et voilà. La censure, mon capitaine. C'est pas normal parce que vous avez le droit de vous exprimer. C'est le problème, c'est qu'on peut pas véhiculer. Mon demi-frère peut pas faire son boulot. Comment vous voulez qu'un journaliste puisse faire son boulot avec toute cette censure? Cette ville commence à déjà partir. Une arme dessus. On censure mes messages, ça commence à faire beaucoup. Vous avez déjà votre carte de journalisme? Pardon, mais vous êtes programmé journaliste. Je vois pas de badge. Il faut déjà que le chef soit présent.
Ça serait pas mal. Vous êtes auto-entrepreneur, c'est ça? Exactement. Et forcément, ça fait plusieurs jours que j'attends le directeur d'où m'a venu ici pour vous demander si vous aviez des nouvelles. Ça va même faire deux jours. Tu peux le dire, hein. Tu peux le dire, Jameson, n'aie pas peur. C'est vrai, non, c'est vrai, ouais, ça mais fait bon, deux jours que tous les soirs, on vient ici bon pour terme. Nous dire d'y aller. On n'arrive pas à voir le maire, on n'arrive pas à voir le chef du journal, ça va pas du tout. Tu devrais être chef du journal, hein, Jameson. Fait, hein. C'est vrai qu'attendre deux jours pour le boulot de sa vie, c'est... assez incroyable, je m'excuse en son nom, j'irai le voir directement. C'est parce qu'on dit le talent n'attend pas. Exactement, et chacun sa passion encore une fois. Hein. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Ouais, ça va. Ça va tranquille. Dites-moi, je viens d'arriver en ville, il faut faire quoi? Parce que moi je viens de faire ma carte d'identité, tout ça, et après on fait quoi? Faut que je trouve un travail, tout ça, mais j'ai la flemme de travailler. Bah, vous travaillez pas? Et vous vous plaignez pas? Ouais. Ah j'avoue. Ça me paraît une bonne réponse, hein, dis donc. Oh, on aura peut-être un boulot pour cette demoiselle, on aura peut-être un boulot pour cette demoiselle, messieurs. Oui, il y a toujours un métier qui traîne dans le coin. Ouais, c'est vrai. En fait, je voulais faire flic, mais je suis contre la violence, ils tabassent trop de négros. Donc ça m'a saoulé. Ça veut dire ça, vous avez quoi? Ok. Monsieur le capitaine, Moi, dans mon ancienne vie, ils tabassaient tous mes frères. Donc, normalement, je suis devenu un peu sceptique. Est-ce que je vous ai frappé, peut-être? Non, pas vous, pardon. Vous voulez l'argent? Peut-être le moment de se renseigner pour une rhinoplastie, hein, vu que les médics sont là, peut-être. Mmh, ouais. Vous voulez de l'argent? Ouais, on le dit souvent, on fait souvent cette blague. Genre. Mais non, en fait. C'est pas une blague, hein, les médics sont là, peut-être que ça se soigne. Ou peut-être juste de quoi déboucher le nez, peut-être. Son problème de débouché, bah. Mais mon nez, il est débouché. Ouais. Pour éternuer? Ah non, ça va, tout va bien. Non, parce que je. Parkinson, tu payes ton burger? Ah, t'as faim? Allez, Parkinson, je veux bien que tu me payes le burger aussi, s'il te plaît. Toi, tu payes ton burger qu'on fait ta promotion là. Quelque chose pour vous, ou... c'est normal que vous avez l'air tous tendus au commissariat, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette ville là? Non, pas très bien. Je crois que j'ai faim. Il a l'air tendu. Je sais pas. Non. J'ai l'air tendu, pourtant il est pas l'air tendu. Déjà, votre collègue ici présent. Viens, Jameson. Ensuite, le petit blond là, Ken là, il a l'air aussi un peu tendu. Madame Fernandez. Vous êtes tendu, 28? Moi je suis pas tendu, vous êtes pas tendu non plus, je sais pas. Non, moi je suis pas tendu. Pourquoi il dit qu'on est tendu? Bah, je sais pas. Pourquoi il dit qu'on est tendu? C'est vous qui êtes tendu, monsieur. Ouais, c'est possible. Bon, excusez-moi. Bon, je vais vous laisser, Captain Voice et 32. Et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas pour cet entretien, capitaine. Bon, Parkinson, va falloir que tu nous dises tout ce qui s'est passé au sujet de l'intervention que t'as fait. Quelqu'un a un burger à me donner, les gars? Je commence à avoir la dalle là. Hein. Je viens de tout grailler. Dites-le si je vous fais chier. Hein. En avoir un qui prenne. Tout manger, faut que j'aille en racheter, j'ai plus rien. Bon, vas-y, explique-nous ce qui s'est passé. Merde. Vous m'entendez, les gars, là? On sait qui s'est... Oui, on t'entend. On sait qui s'est fait tirer dessus. Quoi d'autre? Ouais, bon, il y a une petite fusillade là-bas. Où, là-bas? Et du coup, il s'est fait tirer dessus. On veut plus de détails, on veut les détails, Parkinson. Là-bas. D'accord. Juste là, regarde. Juste sur le carrefour. Il y a eu plein d'accidents et... Ah! On était là en plus, je crois, Jameson. Jameson note tout ce qu'il dit, hein. Ça va faire un deuxième article, hein. C'est là où on s'est enfui, là. Ouais, exactement. C'était lui qui tirait, très bien. Ça reste entre nous. Bien sûr, vas-y, continue. C'est la police, s'est défendue, tout simplement. Du simple. Pourtant, simple, c'est bizarre, il n'y avait pas citoyen. De place de se défendre comme ça, mais enfin, on était déjà présents à ce moment-là. Si, je. Et on sait pourquoi il s'est mis à tirer. Comme ça. Les accidents au début, hein. Parkinson, tu touches combien? Je passe à côté. Tu touches combien la journée, Parkinson? La journée, je sais pas, mais 100$ à la place de 40, quoi. Tu sais que c'est plus 40, c'est devenu 10$ maintenant, hein, ça devient difficile, hein. Ouais, moi c'est 100$. 100$ ton salaire? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est énorme. Très bien. Pas mal ça. Bon, va falloir que je poste le CV là pour le capitaine demain. T'oublies pas, Jameson, demain soir, parler au chef du journal. Ouais. Dawson. Tu te rapproches encore de mots. D'ailleurs, justement, je pense que vous deux, vous avez à parler de mots. Hein. Bon, venez, on va embêter le commissariat. J'ai envie de les taquiner un peu là. Moi, je vais t'envoyer un SMS, Parkinson. Très bien. Ouais, bonne soirée. Chez moi, les gars. Bonne soirée. Ouais, ok. Salut. Salut.